Bonjour à tous, avant de prendre le chemin du travail et donc de vous faire un ressenti, de vous filmer le temps qu'il fait dehors. Donc un petit point d'abord sur la station météo. Il fait 11,4 degrés sur mon balcon actuellement. Donc qu'est-ce que l'on voit? Ben, on voit les prévisions pour les 3 prochains jours avec les icônes et les températures. Donc aujourd'hui, ben, il est prévu un minima de 7 et un maxima de 12 selon Météo France. Demain, 8. De minima et 12, de maxima, 10 de minima et 14 de maxima pour jeudi, et pour vendredi, 8 de minima et 11 de maxima. Alors concernant les cartes, comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a des pluies hein, qui circulent en région parisienne. Voilà, donc... Il vaut mieux sortir le parapluie aujourd'hui pour éviter quand même de se mouiller, même si les pluies restent assez faibles, hein, puisque je vous rappelle que la légende est ici. Donc là, on est dans le bleu, hein, c'est vraiment des pluies pas très très importantes. Alors si on regarde plus généralement, on voit quand même que sur la Bretagne, on a une belle zone de pluie avec ici hein, qui arrive. Voilà, donc le temps est quand même aujourd'hui plutôt à la pluie, il vaut mieux sortir le parapluie. Donc un point rapide sur les températures. Donc comme vous pouvez le voir, là on a une belle salve sur ma région de 11 degrés. Et en Île-de-France, là il fait vraiment très très doux. Hein. Bah, généralement, là voilà, dans Paris, intramuros, il fait 11 degrés. Voilà. Sur toute la région, voilà. Il fait 11 degrés, c'est vraiment un bon 11 degrés homogène. Tiens, il y a là une petite poche à 7,9. Quelle est donc cette station météo qui nous fait du 7,9 degrés? Il s'agit de la station de Donne-Marie-Donty. Voilà. Mais donc sinon une douceur vraiment importante ce matin. Donc un tour rapide sur le diagramme issu du modèle GFS. Alors, comme vous pouvez le voir, le temps de prévu c'est couvert. Ce matin, puis des pluies cet après-midi, hein, c'est tous ces histogrammes. Donc ici, les températures de 9 degrés pour le matin. Ça monte à 11 degrés dans la journée. Voilà, là, un aperçu du temps de demain. 8 degrés demain matin, apparemment. Un temps pluvieux. Et là, on passe à la journée de jeudi. 11 degrés et un temps qui sera pas non plus terrible, hein, couvert avec des petites pluies, avec un max de 14 degrés. Voilà, donc ça c'est ce que sort les diagrammes GFS. Voilà, donc maintenant bah, nous allons sortir dehors parce que sortir dedans c'est un peu compliqué, mais on se retrouve pour le ressenti dehors. Hein. Voilà, on se retrouve à l'extérieur. Alors pas tout à fait dans ma ville. On se retrouve dans la cité universitaire de Paris. Pourquoi? Eh bien parce que en ce moment, quand je pars de chez moi, il est environ 7h moins le quart et il fait nuit. Donc il est un peu compliqué quand il fait nuit de vous montrer le ciel. Donc là, bah, on a la cité U à Paris, qui est pas très loin de mon travail. Et puis c'est un endroit aussi qui est assez calme, un petit poumon vert dans Paris. Hein. Bon, il y en a comme ça pas mal. Voilà, c'est la cité universitaire de Paris. Donc je vous montre Alors le ressenti dès d'abord, vous devez vous en douter, puisque vous pouvez peut-être même l'entendre au micro. Il y a un peu de vent. C'est un vent léger qui fouette un peu le visage, mais ça va. Il fait pas très chaud. Mais il fait pas très froid non plus, on est en hiver, mais pour la saison, 11 degrés, c'est quand même pas si mal. 11 degrés, donc il fait actuellement un vent assez sensible, mais ça va. Et par contre, en partant de chez moi, il a plu. Il a eu un peu des petites, j'allais dire des petites averses, des petites ondées pluvieuses, voilà, c'est pas non plus le Pérou, donc c'est exactement ce que je vous montrais sur les radars tout à l'heure. Voilà. Bah écoutez, l'heure pour moi est de regagner mon lieu de travail, de faire ma journée de travail, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et désolé pour la qualité de l'image du début, j'ai oublié de filmer en 16 neuvième, donc vous avez du 4 tiers, bon c'est pas terrible, mais pour des cartes je pense que ça suffit. Voilà,
Et bien, bye bye à tous et à plus.